Ok. Salut tout le monde, c'est Okonai, bienvenue sur... Waouh! League of Legends. On est avec Echo, dommage. On est contre le boss, Mordekaiser. Mordekaiser qui vient d'être rework il y a... Bah, je pense qu'il est sorti aujourd'hui, là où je joue en tout cas. Il a commencé Q, il joue avec Conqueror, ok. On va essayer de le punir. Qu'il fasse tout le tour. Il s'en est battu les couilles. Ah oui, d'accord, va falloir que je respecte ça, son Q évidemment. Tout est bon. Il va juste que je me, bah, que je m'habitue au cooldown de son Q. Qui m'a l'air bien énervé. Aïe. Ok. Ça va être... va falloir que je bait vraiment son Q là. My god. Ah what the fuck, il avait même pas son E. Alright. Ouf. Bah c'est pas de chance. Faudrait que j'aille aider la botlane moi. Oh, si peu de points de vie. Je sais qu'il n'y a pas Lee Sin J'essaie d'aller les aider. Allez go. C'est pas mal. Putain, elle se retourne. Putain, mon Q, il est parti où? Ok, parfait. Bien joué, les gars. Moi, j'ai vraiment pas de stuff. Waouh! Tout ce qu'il a déjà. Ça va être chaud. Ok, Lee Sin est là. Tout va bien. On abate un petit peu. Les sorts de Mordekaiser sont assez faciles à dodge, normalement. Si tu te fais prendre, ça veut dire que t'as quand même un peu mal joué, en vrai. Ou qu'il a mieux joué, qu'il t'a pré-shot, en fait. Ok, on va faire des petits trades comme ça. Il va pas pouvoir trade back normalement. Je vais le forcer à peut-être rester un peu plus. Nice. Je vais pouvoir aller décalbot peut-être. On le veut évidemment pas sous tour. J'ai mon ultime. Je vais peut-être faire un petit tour à la bot lane. Il a peut-être wardé par contre. Hein. Ça c'est peut-être un petit peu... dérangeant. Je pense que je peux dive en vrai. Oh non! Oh le con! Je voulais R, je voulais attendre un tout petit peu. Sorry les boys. Va falloir être rapide là. Oh non, ça c'est mauvais. Ça c'est pas mal par contre. C'est pas mal. Le grid, malheureusement. Ah, on a bien grid, là. Ouais, on a un petit peu trop grid. C'était pas assez proche, là. C'était juste un peu con. Ça se voyait que ça n'allait pas marcher. Ouais, je vais juste décaler, je pense. Ouais, son E est vraiment difficile à toucher, il va être facile à esquiver vraiment. Ok, il a fait son R. J'avais pas vu qu'il y avait Lee Sin, c'est vrai que c'est chiant parce que tu vois absolument rien. Et du coup, quand t'es dans une zone ennemie, bah ça peut faire chier quoi. Merde. C'est chaud. Moi je vais prendre les bots parce qu'il va falloir que j'esquive mieux les skill shots. On va prendre la contrôleur parce qu'on commence à se faire camper. Bon là le problème c'est que mon équipe est en train de perdre en fait sans Lee Sin. Il y a vraiment juste... Mon top en 0-3-0, seul. Il va juste AFK, super.
Ma botlane, malheureusement, bah j'ai oublié de ult à un moment donné. Et j'ai pas de chance. Unlucky. Il est vraiment parti juste AFK, notre Kennen. C'est vraiment... Ah, j'adore ce jeu. Hein. Bon, bah vous comprenez pourquoi j'ai arrêté de stream, en fait. Hein, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai arrêté stream. C'est pour ça, en fait. Là j'ai voulu faire une game. J'ai pas fait une game depuis 2 jours. J'ai voulu faire juste une petite game. Et j'ai un AFK, en fait. Et je n'arrive pas à stream. Je sais pas si je suis maudit ou pas. Mais voilà, genre... Je vois pas à quoi ça sert de stream ça, en fait. Je préfère faire des vidéos. Là, j'ai juste voulu vous faire une vidéo fun. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. Au moins, vous avez la raison de pourquoi j'ai arrêté de stream et que je fais une pause. C'est parce que la League of Legends ne m'intéresse pas. J'ai voulu faire une seule game. Et ces gens-là ne sont pas report parce que regarde ce qu'ils font. Ils bougent dans la fontaine. Et ils vont faire en sorte de faire un kill ou un assist à la fin. Et League of Legends s'en battent les couilles. Du coup, bah j'ai plus trop envie. Je vais faire des vidéos où je ne dois pas jouer avec les gens comme ça. Et bah j'avoue, je suis juste un petit peu dégoûté en fait. Genre, y a des gens qui tryhardent. C'est de la ranked, on est censé tryhard. Tu peux faire des mauvaises parties, tu peux faire un mauvais début. On s'en fout, on est une équipe. On va jouer jusqu'à la fin. Bon après, si tu fais du 0-11-0, c'est du int là, à partir de là. Mais... Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient, j'ai envie de prendre un petit peu plus de recul avec le jeu parce que la communauté est ultra toxique et je deviens toxique. J'ai pas envie de jouer avec des gens comme ça, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, tout le monde, je sais pas. Et c'est ça, plus ou moins, toutes mes games. Je sais pas si c'est juste en NA ou en EUest, mais je suis pas là pour ça en fait. Donc soit je joue avec des potes, soit... bah tant pis. Qu'est-ce que je fais? Bref! Donc voilà, je reprendrai les streams alors... pour du World of Warcraft, je pense, quand la bêta sortira. Cet été, en août. En vrai, c'est bien. C'est bien que j'ai un AFK. Donc là, en fait, il a AFK 5 minutes. Il a niqué totalement la game. Et il va revenir pour pas se faire ban. Du coup, tous ceux qui sont ban, c'est des mecs qui insultent, mais qui tryhardent le jeu. Et tous ceux qui nous restent, c'est des mecs qui vont ruiner la game. Qui vont pas parler grand, qui vont pas parler beaucoup. Ils vont dire juste, je vais AFK si tu viens pas gank. Parce que je pue la merde. Et puis voilà. Y a plus que ça dans League of Legends. Remets-moi tous les mecs les plus toxiques de l'univers, mais qui veulent gagner et qui jouent. Je m'en bats les couilles des mecs qui insultent. Malheureusement, League of Legends banne ça. C'est très dommage. Bref. Et du coup, oui, je reprendrai les streams, je pense, en août pour du World of Warcraft. Je pense que je vais stream là. Je suis désolé pour ceux qui s'étaient abonnés. Ceux qui sont abonnés, vous aurez les vidéos YouTube, je pense, plus tôt. Je vais peut-être pouvoir faire des games avec vous aussi dans le Discord. Évidemment, je reste sur le Discord. Mais c'est juste là... Le jeu ne m'intéresse absolument pas en ranked. Je suis passé grand master. Je me suis fait chier. Ça va. J'ai pas envie de plus. J'ai loupé le temps de R malheureusement. Donc oui, je reprendrai les streams en août pour du World of Warcraft. Bah du coup, ce sera plus la bêta. Ce sera du WoW classique. J'espère que il y aura des gens, hein. Il y aura des gens de la chaîne qui pourront jouer avec nous, ce serait cool. On va se faire une petite guilde, on va prendre ça au KLM. On va se faire ça très chill. Novembre. Oups, septembre, novembre. Ouais, c'est ça, on va jouer peut-être 2-3 mois à WoW classique. Après, en novembre, il y a des nouveaux jeux, il y a Pokémon, etc. Alors, il y aura peut-être personne sur mes lives. Mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre! Vraiment, c'est impossible pour moi de stream du LOL. C'est absolument pas fun. Et c'est beaucoup trop toxique. Je vous jure, ça met une ambiance de merde sur mes streams. Oh non, le champignon. Terrible.
Ouais, je crois qu'il y a un autre jeu en novembre en vrai. Ah bah dis donc. Je crois qu'il y a un autre jeu en novembre, à part Pokémon. Mais bref, on va jouer beaucoup à Pokémon. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un autre Pokémon. Mon dernier, c'était Verfeuille, il y a 10 ans. Donc t'imagines la gueule. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est ça. Et en 2020, je sais pas si je vais encore stream. Parce qu'évidemment, il faut que je vive. Mais je pense que si je travaille YouTube... Parce qu'en fait, là, je vais faire ma pause, du coup. De League of Legends. Et je vais essayer de refaire des vidéos... des vidéos sur LoL qui essayent de tout vous expliquer comment je suis passé Grand Master. Toutes mes astuces. Que ce soit de l'optimisation ou quoi que ce soit. Je vais essayer de vous donner tout ce que je sais. Ça fait cher quand même. Ils font mal. Ok. Ah, j'aurais pu taper un peu. En fait, j'ai pas envie d'être contre Singe, moi, en fait. Et ce qui me dérangeait pas, c'est, je veux dire, Kennen qui soit en 0-3 me dérangeait absolument pas. Je veux dire, bah oui, c'est dommage. Bon, bah, top pair, bot pair plus ou moins, même si je les aide. Moi, mid, je me fais camp un peu par Lee Sin. Mais y avait aucun problème. Si on jouait tous, on avait un bon teamfight, y avait aucun problème. Et là, franchement, il y a 19-11, mais on est plutôt correct, en vrai, hein. Bon, si le Kennen rejoue, on a une chance, même s'il nous a mis pas mal au fond, hein, on va pas se mentir. Mais ça peut être cool. Normalement, ça va le finir, c'est bon. Et c'est même pas une question de LOL, bah, le jeu, j'adore League of Legends. J'adore League of Legends, et vraiment. C'est juste, la communauté en fait me rend fou. C'est vraiment juste la communauté qui me rend fou, les gens qui... Les gens s'en battent les couilles en fait, de la ranked actuellement en fait. Mais vraiment, vous, le taux de battage de couilles est assez hallucinant, ouais. Je suis bloqué là en fait. Alors si je m'en sors, c'est assez hallucinant. Right. Pouh. Alors si je me prends un champignon, je me délète. Ok, c'est bon. Nice. En fait, je sais pas, j'ai eu un petit bug. J'ai voulu aller ici. Et j'ai pas réussi, genre. Je devais être route par quelque chose. Et ouais, du coup, c'est surtout la communauté de League of Legends. En fait, la communauté de League of Legends, c'est comme toutes les autres communautés, je pense. Où le jeu est ancien, c'est de la ranked, etc. Je sais que c'est normal comme communauté. C'est juste que là, j'ai pas joué à d'autres jeux que League of Legends depuis un certain moment. Et j'ai jamais joué un an à League of Legends en mode plus ou moins tryhard. Et même des fois quand je tryhard pas, ça me saoule quand même, la communauté est vraiment chiante. Et j'ai vraiment besoin de relaxer. Avant, j'allais sur World of Warcraft où j'adorais la communauté de World of Warcraft. Parce que les gens s'en battent, mais les couilles, à un point. En fait, tout ce que tu fais, tu t'en bats les couilles, en fait. À moins de faire de l'arena, sauf que c'est du 2v2. Et... si le mec est pas bon, tu changes de pote, tu changes de mec, et puis... Mais là, une équipe, c'est plus compliqué de la solo queue. Bref. Donc là, je pense que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Je vais continuer, évidemment, les vidéos de League of Legends. Alors après, si ça vous dérange pas que je fasse d'autres vidéos sur d'autres jeux, ce serait bien. Mais c'est pas très grave. J'ai un ult disponible, je pense. Hein. Kennen est AFK encore, non? C'est bon. Ok. On a enlevé 3 barons, c'est pas mal. Ah, apparemment, Kennen est en train de voler les camps du jungler. Et il spam le jungler. Je vais juste le mute pour les pings. Parce qu'en fait, ceux qui veulent pas être bannis ping énormément. Pour faire chier un maximum. Et pour pas se faire bannir. Est-ce que je prends un Zhonya?
Mais oui, pour ceux qui se demandent, j'adore League of Legends, c'est juste que j'ai besoin d'une pause de cette communauté. Et le slash mutual ne fonctionne pas. Tu comprends que le Kennen qui part à FK et qui ping, c'est pas une question de slash mutual. C'est une question de il va faire tilt toute mon équipe et j'ai la flemme. Est-ce qu'on peut. Ouais, ils ont quand même un baron. Je pense pas qu'on puisse YOLO, non? Ah, mais on a un Kennen quand même, en vrai. En vrai de vrai. Je vais revenir où j'étais, moi. Non, tout le monde est mort. Ouais, c'est pas ouf ce que j'ai fait. J'essaie de gagner un petit peu de temps. Malheureusement, là, c'est la Lux qui se fait catch. Ouais, j'ai mal joué ça. Pas grave. On va essayer de le ralentir. Que j'allais lui faire assez de dégâts en vrai. Oh, est-ce que c'est moi qui ai engagé? Non, c'est la Lux qui a flash in Q. C'est risqué. C'était très risqué. Mais c'est les plays que j'aime voir. C'est boldy, c'est cool. Mais encore, pour ceux qui se demandent, bah ça arrive, c'est une game sur 10. Le problème, c'est que c'est plus ou moins une game sur 2 que j'ai des gens comme ça en fait. Que ce soit en face ou dans mon équipe, et bah c'est chiant. C'est juste chiant quoi. Est-ce qu'il se fight? Ah putain, j'ai. Je pensais qu'ils avaient fait le dragon plus vite que ça, my bad. Je pensais pas arriver aussi vite dans le truc et je pensais pas qu'il ait moins de shots avec un combo. Du coup, RIP. Oh, il fait mal le Kennen pourtant. 1-6-1, tu fais aussi mal? What? Putain, s'il avait joué, on aurait gagné tellement. RIP. Bon, je vais reprendre un élixir, moi, pour essayer de sauver la game. Bah non, hein, ça sert plus à rien à FF, je suppose. C'était bien joué. Bon, je suis désolé, je fais vraiment de la merde. Je me fais catch comme une merde. C'est juste qu'en fait, la game, j'ai pas trop envie de la tryhard. Je sais pas si vous me comprenez. Genre, je suis pas dans le mood du mec qui a envie de la gagner de ouf cette game. Je suis là juste, bah. On a subi le Kennen. Je pensais que j'allais la FF. Je pensais qu'il allait vraiment être AFK. Mais bon, c'est quelqu'un qui a pas trop envie de se faire bannir tout de suite non plus. Du coup, il est pas parti AFK. Il a juste. Parti assez FK pour niquer la game, mais pour passer report. Ils sont vraiment forts ces joueurs. Je devrais peut-être vendre mes potions de corruption et acheter des control ward. Parce que je pense que j'ai pas beaucoup de score de vision. Oh, 19, c'est catastrophique. Pourquoi elle a ult? Ok, bizarre. Je devrais acheter un dewarder, by the way. Bon, elle est morte, elle. Il est où le mort de Kaiser? Ah bah c'est ça. Putain, elle a résisté longtemps en vrai, hein. Oh le bâtard, il a bien joué. Dommage. Il a tout mis sur moi, est-ce que ça passe? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a plus de champignons. Oh, oh, ils l'ont quand même tué, bien joué. Dommage. Il fait mal le singe. Non, ça a rien de chase, chase pas les gars. C'est cool, 2 pour 4. Non, non, t'aurais dû backer. Oui, c'est ça. Par contre, moi, je dois changer de trinket. My bad, je suis désolé, la game, je suis pas du tout concentré.
On aurait pu largement la gagner si j'étais un petit peu plus concentré. Qu'est-ce qu'il me faudrait, moi? Je vais prendre ça. Là, j'hésite énormément à vendre mon anneau de Doran pour prendre des control wards. Je crois que la vision est beaucoup trop importante à avoir. Le Teemo, c'est bien, là, si vous le tuez très vite. Ok, on a de la vision, c'est cool. Ils arrivent à le tuer ou pas? Ouais. Oh, j'ai peur d'aller sur champignon. Je vais déborder un tout petit peu, moi. Ah, j'aurai pas le temps pour ça, malheureusement. Donc, petit trade. Je sais pas où est Lee Sin. C'est ça mon plus gros problème, là. Où est Lee Sin? Oh, le bâtard. Ok. Et évidemment, faut tuer le jungler, surtout si c'est un Lee Sin qui peut exécuter le baron. Je trouvais ça bizarre qu'il soit pas dans les parages. Je suis en FDP. Je viens de tuer Lux. Bien joué, merci. Désolé Lux, je suis rentré dans tous les champignons comme un gros FDP. Cette game n'a aucun putain de sens en vrai. Le Medjay il me donne 10% de mouvement speed les gens. 10%. Avec quand j'ai les 10 stacks évidemment. Mais genre là pendant un fight les 10% ça peut être insane. Je prends juste l'élixir. Bon bah je pense qu'on a gagné les gens. La civière, elle a trop bien joué. Et vous vous rendez compte que ces beaux gens là, parce que toute mon équipe, elle est hallucinante. Elle est hallucinante, mon équipe. Toute mon équipe, c'était vraiment des joueurs qui voulaient gagner. Il y a juste Kennen, un seul mec a failli tout niquer. Et on a dû travailler 10 fois plus fort pour la gagner cette game, parce que le mec en avait juste marre de se faire exploser en lane. C'est pas trop triste ça les gens? C'est trop con parce que j'aime trop League of Legends. Et vous pouvez être sûr que ce mec là ne se fera jamais ban. Parce qu'il sait comment ne pas se faire ban. Et je suis sûr qu'il fait ça depuis 5 saisons minimum. Bon, GG tout le monde. Bon, lui, vu que c'est un streamer, bonne chance, mec. Courage. Courage à toi, streamer. Je fais une pause sur le stream. J'espère qu'il y en a vraiment que c'était pas dépendant, mes streams, mais je pense pas. Il faut que je m'améliore de toute façon en tant que streamer. Mais c'est juste que là, League of Legends, voilà. Je prends une pause, ça va me faire du bien. Je pense que cette communauté toxique va me manquer, vraiment. Je pense que dans 3 mois, elle va me manquer en vrai. Je pense qu'elle va me manquer. Mais je vais plus vraiment le faire en stream parce que en stream... Bah en fait, je vais encore jouer. Mais c'est juste qu'en stream, voilà, on a ce type de game. Où si t'as un AFK, ton stream peut être dépendant d'un seul joueur. Le Kennen. Et là, je vous jure, j'ai pas fait une game aujourd'hui. Je voulais faire une game chill avant d'aller dormir. Je me tape un AFK qui voulait niquer la game parce qu'il avait perdu sa top lane. Heureusement, on l'a gagné. Il a rejoué après. Et heureusement que j'avais une super équipe. J'ai envie de tous les honorer. Malheureusement, je peux pas. Ils sont vraiment trop forts. Et donc, voilà. J'espère que vous allez comprendre. Désolé pour les streams. Je vais continuer, évidemment, les vidéos YouTube. Il y en aura une tous les 2 jours, je pense. Mais ça va être des vidéos beaucoup plus travaillées où je vais les écrire. Je vais avoir les idées. Ce sera pas juste des games comme ça, un petit peu à l'arrache. Donc, voilà. C'était juste pour l'annonce. Et puis c'est ça, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup et à la prochaine, ciao.